Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour sa déclaration d'aujourd'hui. Madame la députée, à vous. Merci, M. le Président. Aujourd'hui se tient à l'Assemblée nationale le gala des prix Levier, rendant hommage à des jeunes acteurs de changement dans leur communauté. Je tiens à souligner l'engagement de deux jeunes de ma circonscription, Antonio de la Cruz et Robin Hogg. Antonio évolue depuis 3 ans au sein du groupe En marge 12-17, qui travaille avec les jeunes marginalisés. Il contribue grandement à la qualité de vie de son entourage par son art et sa persévérance à mettre en place un jardin communautaire et un système de compostage. Depuis son arrivée au secondaire, Robin s'est engagé au projet TRIP, un organisme intervenant auprès des jeunes de l'école Pierre Dupuis. En plus d'organiser plusieurs activités, Robin a mis sur pied le comité arc-en-ciel de son école afin de lutter contre l'homophobie. Je souhaite à Antonio et à Robin de continuer leur cheminement, d'être des inspirations pour leur entourage et surtout de ne jamais arrêter d'apporter des changements positifs à notre société. Chapeau les gars. Merci, Madame la députée, de votre déclaration.